Saint-André-Oldeberg est un petit village situé au sud de l'ancienne province du Vivarais, dans la vallée du Rhône, entre l'extrémité est du massif central, qu'on appelle les Cévennes, et les Alpes, dans la région Rhône-Alpes, le département de l'Ardèche, l'arrondissement de l'Argentière, le canton de Villeneuve-d'Auvergne. Depuis l'été 1969, année de la création d'un comité de fête, une bombine est servie sur la place centrale par les habitants le samedi et le dimanche soir de la tabor concoctée dans l'ancien four public près de l'ancienne mairie. Elle l'est désormais dans le nouveau, construit sur la place et inauguré lors de la fête du mois d'août 1998. Elle est dégustée par les convives sur la place à Grand. Je On attend l'équipe. Recette de la bombine ardéchoise. La bombine est un plat à base de pommes de terre, tout comme la crique ardéchoise. C'est un plat traditionnel de nos campagnes. Voici donc l'authentique recette de la bombine ardéchoise, telle qu'elle est proposée à Saint-Antoine-de-Berg chaque année lors de la fête du repas du village. Elle est cuite dans le four du village. Épluchez les pommes de terre et les carottes. Coupez les pommes de terre en gros dés et les carottes en rondelles. La poitrine salée en petits lardons. Émincez les oignons. Dans une cocotte, en fonte légèrement huilée, mettez une partie des oignons et une partie des lardons. Ensuite, une couche de pommes de terre, viande de bœuf, pied de porc, carottes, le restant d'oignons et lardons. Terminez par une couche de pommes de terre. Ajoutez thym, laurier, sel, poivre, tassez un peu. Versez le vin et l'eau jusqu'à couvrir à peine. Posez le couvercle et cuire à four moyen pendant 3h à 3h30. La bombine ardéchoise est un plat complet à servir avec une salade par exemple. Thank you.
moins cher que la pierre. Vous payez 9 ou 10 réals à la bouteille. La plus d'un, à la grande. Ça s'agit de 50 euros. Pas de Moulange.